On l'acclame le Seigneur. Merci beaucoup, apôtre. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être ensemble. Et vraiment, c'est un privilège pour moi de pouvoir me tenir ici pour partager avec nous ce moment ici. Comme l'apôtre l'a dit, à l'école du ministère, je vais voir un peu quelques points que le Seigneur va nous permettre que nous puissions partager cet après-midi. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce. Toi qui as dit qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons te reconnaître comme le seul unique véritable Dieu. Que tu bénisses ce moment et que par ton Esprit Saint, tu nous édifies. Toi qui as dit « Encouragez-vous les uns les autres », tu as dit que nous puissions servir de mieux en mieux, travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Voyons venir la fin et sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bénis ce moment, édifie-nous ensemble, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes à l'école du ministère. Je vais, avec votre permission, nous rappeler que le mot ministère veut dire service. Donc, si nous sommes à l'école du ministère, nous sommes donc à l'école du service. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, le service que tu rends au Seigneur, c'est un ministère que tu accomplis. Amen. Comme l'apôtre disait tantôt, nous ne sommes pas tous appelés aux cinq ministères d'Éphésiens qui sont des ministères d'édification pour faciliter le ministère des autres. Donc, tout le service que nous rendons à Dieu est un ministère, mais tous les ministères ne jouent pas le même rôle. Il y a des ministères qui sont pour l'édification des saints, pour les aider eux-mêmes à accomplir leurs autres ministères. Mais tout ce que Dieu t'amène à faire te pousse à rendre un service, donc tu exerces un ministère, parce que le mot, en fait, veut dire servir. Et quand nous servons le Seigneur, il y a cette relation comme triangulaire qui s'installe dans le ministère, n'est-ce pas? Donc, tout celui qui sert le Seigneur, il a le maître du service, il a le bénéficiaire du service et il est serviteur ou servante. Donc, il y a cette relation triangulaire dans le ministère. Donc, tu ne peux pas être serviteur si tu n'as pas un maître. Parce que le mot serviteur n'a pas de sens d'exister s'il n'y a pas un maître. Donc, si on m'appelle serviteur ou ministre, c'est que quelque part, j'ai un maître. N'est-ce pas? Le mot maître veut dire celui qui reçoit mon service. Et le mot maître veut dire aussi celui qui m'enseigne. Mais dans le cadre du service, le mot maître veut dire celui qui reçoit mon service. Il n'y a pas de serviteur sans maître. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas de serviteur sans bénéficiaire du service. Et c'est là que la problématique devient importante. Parce que beaucoup de serviteurs, ils savent que Jésus est notre maître. Mais ils oublient que le service, nous ne le rendons pas nécessairement à Jésus. Mais nous le rendons au peuple qui appartient à Jésus. Donc, ton service est rendu au nom de ton maître, mais le bénéficiaire du service, ce sont les âmes. C'est les uns les autres, nous bénéficions du service. Et puis, celui qui rend le service, c'est un serviteur. Pas de service sans maître, pas de service sans bénéficiaire de ton service, et pas de ministère sans serviteur. Tu ne peux pas être serviteur sans désigner
un qui est ton maître, deux qui reçoit ton service. Et donc quand je sers le Seigneur, j'ai dans ma pensée, dans mon cœur, la personne qui doit recevoir le service. Je travaille pour, dans le monde séculier, je travaille pour le gouvernement du Canada. Je me suis retiré pendant quelques temps pour me reposer un peu du service, mais je travaille sous un ministre normalement, mais je la vois presque pas. Je ne fais rien directement au ministre. Moi, je travaille sous le ministre, mais je rends le service à la population. Quand je reçois leur dossier, je réponds à leur dossier. So, tu vois, si tu es serviteur, tu as deux personnes importantes dans ta vie. C'est le maître qui t'a engagé et la personne que le maître te donne pour que tu lui rendes service. Voilà pourquoi tu honores le maître qui t'a engagé, mais tu honores aussi la personne qui reçoit ton service, mais au nom du maître. Quelqu'un me dit amen. Amen. Voilà pourquoi, si tu ne comprends pas cette relation triangulaire du ministère, tu risques de priver la personne qui doit recevoir le service, mais tu le maître. Tu es fâché contre le bénéficiaire de ton service, mais tu aimes le maître. Si le maître m'engage, par exemple, pour que j'enseigne la parole, est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas le maître que je dois enseigner? Allô? Amen. Si le maître m'engage dans un ministère de guérison, est-ce que tu sais que ce n'est pas lui que je dois guérir? Il n'est pas malade, hein? Mais il m'a engagé dans le ministère de guérison. S'il m'engage dans le ministère de délivrance, que tu sais que lui n'a pas de démons, il n'a pas de problème. Si le maître m'engage dans les services aux bien-aimés pour les nourrir, est-ce que tu sais que ce n'est pas à lui que je dois donner la nourriture? Le problème arrive quand j'ai un problème avec le bénéficiaire du service, mais je continue à honorer le maître. Or, le maître m'a engagé, pas pour que je le serve lui directement. C'est comme un patron qui m'engage comme son chauffeur et qui me donne son ami pour que je le conduise. Et quand nous sommes blessés dans le ministère, nous continuons à garder la relation avec le maître, ce qui est très important. Mais nous avons des problèmes avec les gens qui doivent recevoir le service. Comment continuer à servir le maître quand je n'ai pas une bonne relation avec le bénéficiaire du service du maître? Jésus va dire ceci. Tu connais la parole de Dieu, je ne vais pas commencer à lire tout le temps. Il dit, en voyant la foule languissante, il dit, priez maintenant et demandez au maître de la moisson de faire quoi? D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qui était fatigué et languissant? C'est la foule, pas Dieu. Et il a dit, priez maintenant pour que le maître envoie les ouvriers dans la moisson. Au fait, les gens qui sont engagés, ils sont engagés parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du service. Et celui qui t'engage, tu le sers, oui, mais tu le sers indirectement. Il n'y a aucun service que Dieu va te demander de lui rendre, à part peut-être l'adoration, qui sera dirigé vers lui. Le reste des services est dirigé vers son peuple, vers ses frères, vers ses amis, vers ses rachetés.
Alors, quand nous avons des problèmes au niveau de l'âme, nous nous fâchons. Et ce qui est drôle, c'est que les gens arrêtent le service. Et il y en a même qui arrêtent le service au nom du maître. N'est-ce pas? Il y en a qui arrêtent le service au nom du maître. Je dois reconnaître, être franc, être humble pour dire que ça m'est arrivé d'arrêter le service. Pas souvent, mais quand même. Il y a peut-être 15 d'années, je ne sais pas, peut-être plus, et que chaque mois, presque chaque mois, je devais faire un séminaire à la fin du mois sous l'autorité du serviteur de Dieu, sous l'autorité de qui je travaillais. Et à un moment donné, les murmures sont entrés dans l'église. Des gens commençaient à murmurer, à parler beaucoup et tout ça. Et tu sais que la Bible dit qu'il faut faire attention avec l'amertume, l'apôtre disait, parce que ce sont des choses qui se contaminent. Et à force de parler avec les gens, on a commencé tous à murmurer. L'une des choses que tu ne veux pas avoir comme chrétien, c'est de murmurer. Ça fait tuer les gens dans le désert, tu ne veux pas aller là-bas. Et on a, ces choses-là commençaient à nous environner et tout ça. Apôtre, je savais qu'on allait me demander de faire les séminaires parce que j'en faisais tellement ça en ce moment-là. Et j'ai quitté la ville avec mon épouse et je suis allé dans l'autre ville passer le week-end parce que je me suis dit c'est la seule manière pour moi de ne pas être utilisé. Parce que si je reste dans la ville, je n'aurai pas de raison pour ne pas venir animer ces séminaires de 3 jours. Donc, j'ai pris la femme, j'ai pris mes enfants et je me suis dit que je serai en dehors de la ville. Je pars à 5 heures de la ville, on ne peut pas m'appeler pour venir prêcher. Mais tu vois, le problème c'est que j'étais content de ma relation avec Dieu en ce moment-là, mais j'ai abandonné les bénéficiaires du service. Beaucoup de temps, quand nous sommes blessés dans notre âme, nous sommes fâchés contre les gens, nous punissons les bénéficiaires du service. Nous punissons les gens pour qui le Seigneur nous a engagés. Et nous continuons à protéger notre relation avec Dieu. Combien de serviteurs, quand ils sont frustrés, ils sont fâchés, ils ne sont pas contents, la première chose qu'ils font, c'est arrêter de servir. Mais ils oublient que celui qui les a engagés n'a pas de problème avec eux. Le seul moment où tu dois arrêter le service, c'est quand celui qui t'a engagé a un problème avec toi. Le seul moment où tu dois arrêter de servir, c'est quand le patron ne veut plus que tu serves. Le seul moment où tu dois arrêter de servir, quand c'est lui qui doit te payer a dit, arrête, je ne te payerai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas les membres qui nous ont engagés. Voilà pourquoi si les membres nous énervent, nous ne pouvons pas arrêter de servir. Parce que nous servons le maître et ils ne font que bénéficier du service. Mais plusieurs fois, dans beaucoup de contextes, ce sont les membres qui nous fatiguent. N'est-ce pas? Je suis à l'accueil et cette personne-là, et je ne sais pas comment elle s'est réveillée. Et à la porte là-bas, quand je l'ai accueillie, je lui ai dit, prends la chaise à gauche. Elle m'a regardé. Et puis je vais dans mon coin et puis je m'assois. Ah, ma soeur, mais comment tu es? Ah, pasteur, laisse tomber. Moi, je quitte ce ministère ici. Et puis la question qu'on va te poser, ah, tu as le problème avec le maître? Oh non, je l'aime, je l'adore. Oh moi, mon Jésus, Jésus. Mais à cause de ces frères-là, moi, je ne vais plus servir. Ce que tu vois, rappelons-nous que celui qui nous a embauchés ne nous provoquera jamais, ne nous décevra jamais. Et ne soyons pas confiés à cause de la relation triangulaire. Les autres ne sont là que pour recevoir le service
et ils ne nous ont pas embauchés et donc ils ne peuvent pas nous renvoyer. Mais dans la plupart des cas, nous avons donné le pouvoir aux gens et c'est selon qu'ils nous sourient ou ne sourient pas, selon qu'ils nous aiment ou ne nous aiment pas, et nous arrêtons de servir. Il y a des gens même qui arrêtent de servir à cause de moi, le pasteur. Ma femme m'a tellement dérangé et j'arrive à l'église un peu stressé. J'oublie de te saluer et puis oh, je quitte parce que le pasteur ne salue pas les gens. So, tu vois, ton service, tu me le donnes en tant que bénéficiaire du service. Mais le maître, ce n'est pas moi, c'est Jésus. La seule manière de quitter le service, si tu te brouilles avec le patron. N'est-ce pas? Si tu te brouilles avec le patron, c'est la seule manière de quitter le service. Aucun policier ne va démissionner de la police parce que tu as refusé de t'arrêter quand il t'a dit arrête-toi. N'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de travailleurs au restaurant qui vont démissionner juste parce que tu as dit que ton steak était trop cuit. Hein? Ce n'est qu'à l'église où les gens disent, les dirigeants ont chanté la même chanson deux dimanches, moi je suis fatigué, je vais vous suivre en ligne dans la communion de l'esprit. Loin du corps mais près du cœur. Il n'y a qu'à l'église où les gens disent, pasteur, j'aime beaucoup votre église, j'aime l'enseignement de l'apôtre et tout ça là, mais l'autre sœur m'énerve. Voilà pourquoi, pour bien servir le Seigneur, nous devons chercher à être guéris dans l'âme. Nous devons chercher à sortir de la prison, n'est-ce pas? Parce qu'en tant que serviteur ouvrier, Dieu va nous utiliser comme ses collaborateurs pour aider les autres à sortir de la prison. Il y a tellement de choses que je peux dire là-dessus, mais laissez-moi donner trois signes qui montrent qu'on a un problème au niveau de l'âme. Trois signes qui montrent que, en tant que serviteur, mon âme est attaquée ou bien est sur le point d'être attaquée. Et demain, Dieu voulant, avec sa grâce, nous allons essayer de toucher maintenant comment cette âme-là est attaquée. Parce qu'on a dit, je vais sortir de la prison pour célébrer le Seigneur. Mais comment je suis rentré dans cette prison? À quel moment et quels sont quelques types de blessures qui arrivent et qui nous font entrer dans la prison? Le premier signe qui montre que mon âme est troublée, le premier signe qui montre que j'ai un problème au niveau de l'âme, c'est l'instabilité et le manque de croissance. Dans le livre, j'en parle un peu. L'instabilité et le manque de croissance spirituelle. L'instabilité émotionnelle. L'instabilité dans l'âme. Et la difficulté à croître spirituellement. Quand ton âme est blessée, quand ton âme est attaquée, l'une des premières manifestations que tu vas vivre, c'est l'instabilité. Sur le plan spirituel. Et cette instabilité-là bloque la croissance. Ça bloque la croissance. Ça, c'est la première chose qui va arriver quand notre âme est attaquée.
Donc, comment se passe cette instabilité-là sur le plan de l'âme? Dans le jardin, nous l'avons dit hier, l'homme et la femme avaient reçu la parole de Dieu dans le livre de Genèse comme étant l'ordre dans lequel ils devaient vivre. Le Seigneur a dit, ne mangez pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, la parole de Dieu, quand elle est libérée, elle crée un cadre invisible dans lequel nous vivons, où nous sommes protégés. Nous ne le voyons pas. Mais si tu reçois la parole de Dieu, la parole fait un mur autour de toi, de manière spirituelle. Maintenant, quand le diable est venu sous forme de serpent et a attaqué la femme, en convaincant la femme à abandonner d'abord la parole, tu vois, le diable n'est pas venu pour rendre la femme stérile. Pourquoi il ne pouvait pas rendre la femme stérile? Parce que la parole de Dieu faisait une protection autour de la femme. Tu sais que la femme, le diable n'est pas venu rendre la femme malade. Le diable n'a pas provoqué le divorce entre l'homme et sa femme. Le diable n'a pas bloqué la maternité de la femme. Le diable n'a pas rendu cette famille-là pauvre. Ce que le diable a fait, c'est voler la parole, convaincre la femme à abandonner la parole. Il a changé la parole, il a trafiqué la parole, et quand la femme a violé la parole, ces murs de protection invisibles qui étaient autour du couple a volé en éclats. Et à partir de là, la femme a été blessée dans son âme. Et la nature charnelle est née. Et la croissance spirituelle va être bloquée. Et depuis ce moment-là, l'âme a été fragilisée. Dieu a créé l'âme très bien, parfaite, mais quand l'homme et la femme ont péché, leur âme est devenue fragile. Et à partir de là, l'homme a une âme qui est instable. Voilà pourquoi, quand le Seigneur est venu, il est venu guérir le cœur brisé. Il est venu restaurer cette âme-là brisée. Et quand tu es blessé dans ton âme, quand tu as un problème au niveau de ton âme, tu vis dans l'instabilité spirituelle. Il y a un manque de croissance. Pourquoi ce manque de croissance-là? C'est à cause de la rébellion. Parce qu'une âme blessée devient rebelle. Et la relation qu'il y a entre l'âme et l'esprit interfère dans la croissance spirituelle. Quand l'âme est blessée, elle ne se soumet pas à la parole de Dieu, l'âme va combattre l'esprit dans une personne. Or, la croissance spirituelle vient avec l'esprit. Si tu commences à grandir spirituellement, c'est avec l'esprit que tu grandis. Mais quand ton âme est blessée, ton âme devient rebelle, l'âme veut te contrôler, te conduire. Et c'est comme ça que l'âme va commencer à bloquer l'information qui vient de l'esprit. Je vais essayer encore d'être un peu plus clair. Avant la chute de l'homme, avant que l'homme ne pêche, il y avait ce que je peux appeler un ordre divin. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu parle à l'Esprit de l'homme. Et l'Esprit de l'homme communique l'information à son âme. Et son âme prend la décision de diriger sa vie. Quelqu'un me dit amen.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la révélation de Dieu, je ne le reçois pas au niveau de mon âme. Je reçois ça au niveau de mon esprit, n'est-ce pas? Parce que je communie avec Dieu, avec l'esprit. La Bible dit, c'est lui qui est né de nouveau, qui marche avec Dieu et avec lui un même esprit. Tu te rappelles de ça, n'est-ce pas? Celui qui marche avec le Seigneur devient avec lui un même esprit. Pas une même âme, un même esprit. Pas un même corps, un même esprit. Donc quand nous marchons avec le Seigneur, nous devenons avec lui un même esprit. C'est juste pour dire que notre relation avec Dieu, c'est au niveau de l'esprit. Maintenant, quand Dieu te parle, il te révèle quelque chose, il t'enseigne quelque chose. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ce que tu reçois de Dieu, tu les reçois au niveau de ton esprit. Si tu ne reçois pas au niveau de ton esprit, ça ne t'impacte pas. Même si tu écoutes avec les oreilles, ou tu vois avec les yeux, ou tu médites avec le cœur, mais ça impacte ta vie si tu reçois ça au niveau de ton esprit. N'est-ce pas? C'est si tu reçois ça au niveau de ton esprit. Si le Saint-Esprit vient autour de la parole de Dieu, souffle autour de la parole de Dieu, parce que la parole est une semence, n'est-ce pas? La parole est une semence. La semence a un arbre caché. Au fait, l'arbre, il est là, mais tu ne peux pas le voir, n'est-ce pas? Un grain de maïs, fais attention, ne te moque pas d'un grain de maïs. Il y a tout un champ de maïs dedans. Mais seulement tu ne peux pas voir le champ, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il y ait un phénomène qui se passe où tu prends le grain de maïs, tu le poses à la terre, la pluie doit venir arroser cette terre, va après quelques mois, reviens, le grain s'est multiplié. N'est-ce pas? Donc la semence a en elle la vie cachée. Il faut que la semence puisse libérer la vie qui est dedans. Et l'Esprit de Dieu vient pour que la semence, de la vie qui est cachée dans la semence de la parole puisse être relâchée. Et maintenant, pour que la vie soit impactée, pour que le ministère soit impacté, pour que le service soit impacté, il faut que je reçoive l'instruction au niveau de l'Esprit. Donc l'Esprit va parler à mon esprit. N'est-ce pas? L'esprit parle à quoi? À mon esprit. C'est parce que c'est avec l'esprit que j'ai la révélation, l'adoration et la communion. Ce n'est pas avec l'âme, c'est avec l'esprit. Donc il faut que mon esprit connecte avec l'esprit de Dieu. Et c'est là que j'ai la révélation. Mais attention, après avoir eu la révélation, la décision d'appliquer la révélation n'appartient pas à l'esprit, ça appartient à mon âme. N'est-ce pas? Parce que c'est au niveau de l'âme qu'il y a la pensée, la décision et l'émotion et les sentiments. Donc, quand je reçois l'information, je reçois la révélation au niveau de mon esprit, j'ai 50% de possibilité d'impacter. J'ai 50% de possibilité d'être changé. J'ai 50% de possibilité d'avancer dans la vie. Il faut maintenant que la décision d'appliquer la révélation vienne de mon âme. Voilà pourquoi tout ce que tu connais ne t'a pas changé. Tout ce que je connais ne m'a pas transformé. Parce que le fait de connaître ne change pas encore la personne. C'est le fait de décider d'appliquer la connaissance qui change la personne. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi, quand l'âme est blessée, maintenant, l'âme, après la chute de l'homme, est devenue le patron de l'homme. L'âme est devenue le patron de l'homme. Le corps, c'est le dernier dans les trois parties de l'homme. Le corps, c'est le dernier. Le corps ne fait que suivre l'ordre qui vient d'ailleurs. Quelqu'un me dit amen? Amen. Le corps ne fait que suivre l'ordre qui vient d'ailleurs. Ne te trompe pas. Tes pieds ont bougé pour que tu arrives ici. Mais il y a quelqu'un qui a commandé tes pieds. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a commandé tes pieds.
Tu peux avoir l'impression que tu m'as salué parce que ta main voulait me saluer. Non. Ta main a exécuté la décision que tu as prise dans ton cœur. C'est parce que tu as réfléchi que lui c'est mon frère et que tu as décidé dans ton cœur de le saluer, ton âme a ordonné ta main d'aller vers l'avant. Et c'est ainsi que, après la chute, l'âme a commencé à contrôler les corps de l'homme. Elle a commencé à contrôler l'homme. Maintenant, quand je suis né de nouveau, je suis sauvé, mon esprit est né de nouveau, il y a une lutte entre mon esprit et mon âme. Maintenant que l'esprit qui était absent, depuis la chute, l'esprit est comment ? Mort. Parce que la Bible dit que si tu manges de ces fruits, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas mourir. Au fait, la mort était là, mais elle était inactive, n'est-ce pas ? Le péché n'a pas créé la mort, le péché a activé la mort. Mais c'est ça ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Parce qu'avant le péché, quand on lui donnait l'ordre, est-ce qu'il avait déjà péché? Non, c'était un gentil Adam, tu connais Adam, Adam est très gentil, il était calme dans son coin. Et le Seigneur est venu lui dire, tu vois cet arbre ici, le jour où tu vas en manger, qu'est-ce que tu feras? Donc la mort était déjà là. Est-ce qu'à ce moment-là, il avait déjà mangé? Non. On est en train de lui dire, si tu manges, tu mourras. Et si tu ne manges pas, tu ne mourras pas. Au fait, la mort est là, c'est à toi de l'activer ou de la désactiver. Sur le péché n'a pas créé la mort, le péché a activé la mort. Et maintenant, en ce moment-là, ce qui était mort, c'était quoi? C'était l'esprit, n'est-ce pas? Oui, la mort physique va suivre après, mais c'était d'abord la mort spirituelle. Parce que quand Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin vivant, n'est-ce pas, physiquement. Est-ce que Dieu l'a menti quand il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras? Non, il venait de mourir, mais il venait de mourir spirituellement. Et maintenant, quand Adam était mort spirituellement, est-ce qu'il a arrêté de faire des choses dans la vie? Non. Est-ce que tu te rends compte qu'Adam a accouché les enfants après la mort, pas avant la mort? N'est-ce pas? Parce que quand on a chassé, c'était seulement l'homme et la femme, n'est-ce pas? C'est quand ils sont allés en dehors du jardin que Adam a eu Caïn. N'est-ce pas? Il a eu Caïn. Ève a accouché Caïn après le rejet, n'est-ce pas? Quand Dieu est venu pour dire, est-ce que tu as mangé? Il a dit, la femme que tu as mise à mes côtés. La femme a dit, ah! Frère, tu ne peux pas prendre la responsabilité pour dire seulement, oui, j'ai mangé. À partir de là, la femme a été la première personne à être rejetée dans la vie. Parce que l'homme qui venait de dire, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Tu vois? C'est Adam qui a donné les noms des femmes. C'est lui qui a dit, on l'appellera femme. Parce qu'il était dans le ministère des nommés. Hein? La Bible dit, on faisait passer les animaux et il donnait les noms aux animaux. Tu connais l'histoire. Et à la fin, quand il a donné les noms aux derniers animaux, il était dans son coin, très fâché toujours. Parce que, mais c'est ça ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous, il faut lui donner une aide semblable. Et Dieu faisait quoi? Non. Il amena les animaux. C'est comme ça que nous tous on récité ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable et Dieu créa la femme. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Quand la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, Dieu s'est arrêté là. Il a dit une aide, il n'a pas dit une femme semblable. Il a dit une aide semblable. N'est-ce pas? Et l'aide là, c'est quoi? Ézer. Ézer. Tu vois? C'est ça. So, je lui ferai une aide semblable. Et Adam, et la Bible dit, Dieu faisait passer les animaux en cherchant l'aide. En cherchant l'aide, Dieu a fait passer quoi? Les animaux. La femme n'était pas encore là. Dieu a fait passer les animaux. Voilà pourquoi nous, vous les femmes, vous devez nous aimer. Parce que si on était tombé amoureux seulement d'un animal, la femme n'allait jamais être créée. La femme n'allait jamais être créée. Et la Bible dit,
quand il a donné les noms, mais lis Genèse, tu vas voir Genèse chapitre 2. Quand il a donné tous les noms, et la Bible dit, et l'homme ne trouva pas l'aide qui lui était semblable. Ah, ma sœur, si j'avais aimé la lionne, toi tu n'allais jamais être créé. Chérie, si j'avais aimé les pangolins, tu n'allais jamais exister. Et la Bible dit donc, hein, l'homme ne trouva pas une aide semblable. Il faut bien lire la parole de Dieu. L'homme ne trouva pas une aide semblable. Et la Bible dit, alors le Seigneur fait tomber l'homme dans le sommeil. Donc, si l'homme avait trouvé l'aide semblable dans les animaux qu'il nommait, la femme n'allait pas avoir de raison d'être. Voilà pourquoi vous devez nous aimer. Yeah. Même si tu m'as donné la nourriture à 8h, à 8h30, je demande encore, souviens-toi du jardin. Souviens-toi du jardin. Si je travaille tard ce jour-là, j'arrive vers minuit et tu avais déjà fait les riz et moi je vais le camembert. Hein? Ça c'est juste le fromage. Okay. Et moi je veux la semoule. Ok. Moi je veux semoule. Il faut pas dire oh frère, toi aussi. Hein? La soumission, mais ce n'est pas comme ça. S'il y a le riz, mange le riz. Non, souviens-toi du jardin. Dis-moi, tu sais, je n'allais pas me lever. Quand je pense que tu as sauté la lionne, tu as sauté la femme du léopard, tu as sauté même l'éléphant, tu as sauté les serpents et tous ces beaux animaux pour penser à moi, je vais me lever quand même. Je vais quand même me lever. La Bible dit, alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans le sommeil. Et il tira de sa côte une côte et il a fait la femme, n'est-ce pas? Et quand l'homme s'est réveillé, il s'est rappelé, avant de dormir, j'étais en train de donner des noms. Alors, maintenant quand il a vu la femme, il a aussi donné les noms. Il dit, on l'appellera femme. Épouse, partenaire. Ishaha, on l'appellera celle qui doit être à côté de quelqu'un. Et c'est là qu'ils sont devenus les deux et le Seigneur vient, il les chasse du jardin à cause du péché et la femme était rejetée. Mais après avoir quitté le jardin, tu connais l'histoire, on met des chérubins avec des épées flamboyantes pour empêcher l'homme de retourner dans le jardin qui était le symbole de son intimité, de la relation avec Dieu. Voilà pourquoi quand Christ est venu, il a déchiré le voile qui symbolisait le déchirement du rideau qui cachait l'arche dans l'alliance, dans le lieu très saint, mais qui aussi symbolisait qu'il a chassé les chérubins qui gardaient l'accès à la présence pour que les gens entre dans cette présence-là. Voilà pourquoi la Bible va dire, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ l'accès libre dans les sanctuaires. Parce que depuis Adam, le sanctuaire était fermé et il a été fermé symboliquement avec Moïse, avec les rideaux qui cachaient les lieux saints et les rideaux, le deuxième rideau qui cachait le Saint des Saints où il y avait l'arche de l'alliance ou l'arche du témoignage. Et quand Christ est venu, la Bible déclare, par son sang, nous avons un accès gratuit dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les deux chérubins gardaient la route qui amenait à l'accès du jardin. Donc Christ est venu ouvrir cette route-là, et on appelle ça la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous par sa chair qui a été déchirée à la croix. N'est-ce pas? Mais après avoir quitté le jardin, est-ce que tu sais que l'homme a continué à travailler? Et c'est comme ça qu'il a eu Caïn. Et cet homme-là, après la mort de Caïn, il a dit que, après la mort d'Abel par Caïn, il a eu Seth, n'est-ce pas? Mais comment il a... Parce que quand tu as l'âme, tu réfléchis quand même. Ça, c'est un homme spirituellement mort. Chassé loin de Dieu, mais il prend quand même des décisions. Si j'ai perdu Abel, je peux remplacer Abel par Seth.
So, ça veut dire que même quand tu es mort spirituellement, l'âme continue à gouverner ta vie. L'homme n'est pas vide, il n'est pas abandonné à lui-même. Quand il n'est pas né de nouveau, l'âme dirige sa vie. Et il peut réfléchir. Et maintenant, cette âme-là, qui a été blessée depuis le jardin, corrompue par la nature du péché, devient une source de problèmes dans l'homme. Parce que maintenant, quand tu nais de nouveau et tu deviens serviteur, avant la nouvelle naissance, ta vie était dirigée par ton âme. Ton âme était le patron de ta vie. Maintenant, quand l'esprit vient, il trouve quelqu'un qui gouvernait déjà la maison. Il trouve quelqu'un qui gouvernait déjà. Et maintenant, l'esprit veut s'imposer sur l'âme. Or, l'âme a eu l'habitude de devenir le chef pendant beaucoup d'années. L'âme t'est gouvernée, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu as beaucoup de principes, n'est-ce pas? Tu as beaucoup de principes, tu as des lois que tu as établies toi-même à partir de ton âme. L'âme te donne la pensée, la décision et l'émotion et les sentiments. Et c'est comme ça que, selon comment tu as grandi, comment tu es né, quelle étude tu as faite, dans quel environnement tu as grandi, quelles sont les expériences que tu as connues dans le passé, tout cela a influencé ton âme. En plus de ce que Adam a fait, qui avait déjà corrompu la nature de l'homme, et tout ce que toi-même tu viens apprendre dans la vie, et tu apprends beaucoup de choses, et à partir de là, ton âme a comme une base de données d'informations. Comment tu réagis quand les gens t'embêtent? Quelle est ta limite de patience, n'est-ce pas? Comment tu traites les deux réponses négatives dans ta vie? Tu as beaucoup de principes. Maintenant, tu deviens un enfant de Dieu. En plus de cela, serviteur de Dieu. Et l'esprit est né. Or, quand l'esprit est né, il vient de naître. N'est-ce pas? Il vient de naître. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons tous marcher vers la maturité. N'est-ce pas? La Bible dit, ne restez pas au lait, allez vers la nourriture solide. Pourquoi? Parce que ton esprit ne naît pas comme un adulte, il naît comme un enfant. C'est le même principe. La croissance est un principe que Dieu a établi. Non seulement pour l'homme physique, pour l'animal, pour un arbre, pour beaucoup de choses. Tout commence petit et grandit. C'est la volonté de Dieu. Même Christ lui-même, quand il a pris la chair, il est venu dans le monde. Il est venu comme un bébé. Voilà pourquoi quand on voulait l'arrêter, on l'a fait fuir en Égypte. N'est-ce pas? Parce qu'il voulait nous enseigner le principe de la croissance. Donc il a fallu qu'il grandisse. Esaïe va dire que l'enfant doit manger la crème et le lait jusqu'à ce qu'il sache choisir le bien et rejeter le mal en parlant de Christ dans la prophétie messianique. Donc, et quand ton esprit naît de nouveau, il naît comme un enfant et il va commencer à grandir. Maintenant le problème c'est que ton esprit est né de nouveau, mais ton âme est déjà adulte. Parce que lui, elle n'était pas morte. Elle était toujours là. Tes émotions sont déjà définies. Très bien, solides. N'est-ce pas? Solides. Ton âme a été déjà influencée par les déceptions. Ton âme a été influencée par le rejet. Ton âme a été influencée par les situations de famille. Ton âme a été influencée par les professeurs que tu as rencontrés à l'école primaire. Ton âme a été influencée dans les amitiés, dans le fiançailles et beaucoup de choses. Ton âme a été influencée par tes expériences. Maintenant, l'esprit est petit, il vient de naître. Il est très spirituel. C'est lui qui communique avec Dieu. Mais seulement, il vient dans un territoire que quelqu'un d'autre contrôlait déjà, qu'on appelle l'âme. Maintenant, chaque révélation que l'esprit reçoit, l'âme veut checker ça, comme on dit chez nous là-bas. L'âme veut confirmer ça. L'âme veut vérifier ça. Et c'est là que l'âme devient un élément qui peut bloquer la croissance. Quand elle n'est pas guérie, elle devient un élément qui peut bloquer la croissance. Parce que si elle ne se soumet pas, elle va contester beaucoup de choses que l'esprit va amener. Pourquoi? Parce que l'âme pense avec la pensée de l'homme. L'âme décide avec la volonté de l'homme. N'oublie pas, l'âme, c'est la pensée, la volonté ou la décision
Parce que ta volonté te permet de prendre des décisions et les sentiments et les émotions. L'âme choisit en fonction des sentiments et des émotions, n'est-ce pas? L'âme décide selon l'homme. L'âme pense selon l'homme. Mais oh, Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Et la croissance spirituelle peut être ralentie par une âme blessée. Parce que l'âme blessée est instable, émotionnellement instable. L'âme blessée se blesse facilement. Si j'aurai le temps de toucher ça demain. L'âme blessée se blesse facilement. Les gens qui ont été blessés dans le passé et qui n'ont pas été bien guéris, ils se blessent facilement. Ça prend un peu comme ça pour allumer le feu avec eux. Parce que ce qui les blesse, ce n'est pas la nouvelle situation. Ce qui les blesse, c'est les dépôts de l'ancienne situation. Voilà pourquoi la plupart des gens blessés, ils te disent déjà qu'ils seront blessés. Ah, ils te disent, hein? Bonjour, pasteur. Bonjour. Je m'appelle Frère Michaud. Je suis nouveau dans l'église. Mais pasteur, je vais m'asseoir là-bas derrière. Oh, moi, j'ai eu beaucoup de coups dans des églises. Voilà pourquoi moi, les choses d'agapé, communion fraternelle, pasteur, j'évite ça. Parce que c'est dans des communions fraternelles comme ça qu'on m'a blessé. So, tu vois, alors qu'il vient d'arriver, il ne connaît personne, mais il dit déjà qu'on va le blesser. Hein? Hey, frère, si tu me vois seul dans mon coin, il ne faut pas me critiquer. Pose-moi d'abord la question, pourquoi? Vous, vous êtes pressé de juger les gens. Demande à frère, sois spirituel. Demande-moi d'abord pourquoi. Et pourquoi? Dis, hein, tu aurais dû commencer par là. Je ne parlerai pas. Parce que même si je t'ai dit, tu ne croiras pas. Quand tu vis avec quelqu'un qui est blessé, c'est très compliqué. Et l'esprit maintenant commence à recevoir les instructions de Dieu. L'esprit commence à recevoir les instructions de Dieu. L'esprit commence à recevoir maintenant les instructions de Dieu. Et tu vas voir comment maintenant les instructions qui viennent de Dieu seront combattues par l'âme. Quand le Seigneur va te dire, esclave, soumettez-vous à vos maîtres. Pas seulement à cause d'eux, mais à cause du Seigneur. Et ça, c'est l'information que l'esprit reçoit. Mais l'âme te dit, tu vas te soumettre à qui? C'est comme ça qu'il va danser sur ta tête. Dis-lui que tu es venu à l'église pour servir Jésus, pas pour servir les hommes. Tu veux servir Jésus? Monte, précède-nous déjà là-bas. Parce que sur la terre, tu sers Jésus en servant les hommes. Il a dit, tu viendras me dire, quand est-ce que j'étais visité à l'hôpital? Et je te dirai, tu n'étais pas allé à la clinique du ciel. Non, là-bas, il n'y a pas de clinique. C'est quand tu étais allé sur la terre, c'était à moi que tu l'as fait. Et la croissance est bloquée à cause de l'âme. L'âme qui est blessée. Pourquoi? Parce que l'âme qui est blessée a développé une manière de réagir que la parole de Dieu va contester. Et quand tu es blessé dans ton âme, des fois, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te blesser. Tu peux te blesser tout seul. Et puis, tu vas chercher maintenant à donner la responsabilité aux âmes. Frère, pourquoi tu as quitté? Ah, les âmes sont compliquées. Est-ce qu'ils sont vraiment compliqués ou bien toi, tu es trop fragile? Parce que s'ils sont compliqués pour toi, ils sont aussi compliqués pour l'autre frère. Mais lui n'a pas abandonné. Il faut que je dise, peut-être moi, mon âme est fragile. Seigneur, tire mon âme de sa prison. Il y a tellement de choses à dire, ça me passionne cette affaire ici. Mais tu sais que après, quand Ève a été
déçu. Tu connais maintenant, parce que l'homme n'a pas voulu continuer à parler d'elle de manière angélique et poétique. Le même homme qui a dit, je vais l'appeler femme, ma partenaire, parce que tout ça là, quand il a dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, la femme s'est sentie rejetée. Et tout de suite après, elle a accouché Caïn. Ah, beaucoup de gens condamnent le frère Caïn, mais Caïn est sorti d'une femme blessée. Hein? Tu vois, maintenant tu vas aimer Caïn maintenant. L'enfant d'autrui, Caïn. Partout où tu passes, on parle toujours mal de lui. C'est un méchant, Caïn, méchant. Personne ne donne à son enfant le nom de Caïn. Quand il choisit le nom du bébé, il dit, Seigneur, la page où je vais toucher, ça va être là. Il ouvre comme ça. Et Ève accoucha Caïn, dit non. Et Caïn, comment s'appelait la femme de Caïn? Probablement tu ne connais pas. Quels sont les amis de Caïn? Ok. Qui est le pasteur de Caïn qui a blessé Caïn? Parce que maintenant, il n'y a que le pasteur qui blesse les gens, n'est-ce pas? Qui est le pasteur de Caïn? Qui est le chef de son département qui l'a blessé, qui est trop autoritaire? Et pourtant, quand Dieu rencontre Caïn, Caïn est assis seul. N'est-ce pas? Seul. Son téléphone n'est pas déchargé, personne n'a volé son jouet, personne ne l'a insulté, il n'y a aucun enseignant qui l'a critiqué, aucun pasteur a prêché le même message tout le temps, et tout ça là, il n'y a personne qui a crié sur lui, on ne montre même pas que ses parents l'avaient maltraité. Le Seigneur lui dit, pourquoi tu es abattu et tu es irrité? Le mot abattu là-bas, quand tu traduis ça dans le terme d'aujourd'hui, ça veut dire pourquoi tu fais la dépression. Et le mot irrité là-bas, c'est donc une tristesse qui donne une colère colérique. Hein? Mais qui l'a provoqué? Parce que quand ton âme est blessée, tu n'as pas besoin d'être provoqué. Tu es instable. Et tu peux venir t'engager et servir Dieu. Tu seras le premier à venir au culte, le dernier à partir. Après des mois, sans problème, on n'a pas volé l'argent de l'église, on n'a pas vendu les chaises de l'église, on n'a pas renié la bonne doctrine, mais tu peux quitter quand même toi-même. Et souvent, les gens qui sont blessés, ils vont te dire, je ne sais pas, mais je ne le sens plus. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas, mais c'est bizarre. Hein? Ces derniers temps, je ne sens plus l'église. Je ne sens plus vraiment comme aller à la réunion ces derniers temps. Parce que son âme commence à s'agiter. Son âme commence à bouger. Donc, le premier signe qui va montrer que un serviteur a un problème au niveau de son âme, c'est la difficulté à grandir et l'instabilité dans le ministère. Il passe de l'engagement au désengagement. Engagement, désengagement. Et tout ce qui se passe en lui et autour de lui devient une raison valable pour arrêter de servir. Parce que toutes les informations qu'il reçoit de l'esprit sont étouffées par l'âme. Et il n'y a pas moyen de croître spirituellement. Il n'y a pas moyen de grandir spirituellement. Regarde la parole de Dieu. Je vais te donner ces versets-là. 2 Timothée chapitre 2 verset 10. Celui qui a ça va lire ça rapidement pour nous. 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Ok. On a mis ça sur l'écran.
De Timothée, chapitre 3, verset 10, je peux le lire aussi ici. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité et ma constance. Il y a deux mots là-bas. Mes résolutions et ma constance. Paul est en train de dire à Timothée, tu es engagé au ministère comme moi. Je t'ai gagné, mais fais attention. Regarde comment j'ai servi. Et parmi les choses qu'il va citer, oui, il parle de l'amour, oui, il parle des autres choses, mais il dit, mes résolutions et ma constance. Résolution, c'est-à-dire la décision de ne jamais dévier du but que tu as choisi. L'instabilité émotionnelle empêche les serviteurs dans le ministère de continuer à atteindre les buts. Quand ton âme est blessée, tu dévies souvent du but. Et la constance, c'est la décision de chercher ces buts-là, mais de manière régulière. Quand quelqu'un est blessé, il change d'objectif facilement. Il change de but facilement. Il dévie facilement de l'objectif. Il dit, triche dans ma vie, regarde dans ma vie, copie dans ma vie. Il y a la charité, il y a la paix, il y a la crainte de Dieu, il y a toutes ces choses. Mais il dit, Timothée, tu es jeune dans le ministère. Il y a des choses, quand tu regardes dans ma vie, tu dois prendre. Il dit, prends la résolution. C'est-à-dire que quand tu te fixes le but dans le service, ne dévie pas de ce but-là. Pourquoi Paul disait ça? Parce que Paul savait que s'il veut garder Timothée dans le service, il doit avertir Timothée que beaucoup qui s'engagent à servir dévient de leur but. À cause des difficultés, à cause des critiques, des jugements, des tensions, des conflits dans le groupe, des choses qu'on n'aime pas, ça nous fait dévier du but. Bien-aimés, il faut que le Seigneur nous guérisse pour que nous devenions des serviteurs engagés et constants dans la recherche du but. Nous sommes ici parce que nous avons un but. Nous sommes ici parce que nous avons une vision. Nous sommes ici parce que la vision nous amène quelque part. Nous sommes ici parce que nous voulons atteindre un objectif. Nous ne sommes pas ici parce que cette église est meilleure que l'autre église. Non, nous sommes ici parce que cette église a une vision différente de l'autre église. Quelle est la meilleure vision? Ça, ce n'est pas un débat à faire. La vision n'est pas meilleure que l'autre, mais elle est différente. Si elle n'était pas différente, on ne serait pas ici. Donc, en venant ici, nous avons notre but à atteindre. Nous servons le même Dieu, le même Seigneur, mais le Seigneur nous a donné un mandat différent. Voilà pourquoi nous sommes à CEP. Parce que nous avons un mandat différent. Les autres peuvent avoir leur mandat. Nous avons notre mandat. On passe pas notre temps à juger leur mandat, à critiquer leur mandat, à analyser leur mandat. Notre mandat nous donne un but. Nous sommes ici avec un but. Et Paul dit aux serviteurs de Dieu, cherchez à être résolus dans la recherche d'atteindre le but. Cherchez à être résolu, soyez déterminé. L'âme amène le changement, l'instabilité. Et c'est comme ça que la croissance va être bloquée. Comment être un bon serviteur si tu n'arrives pas à atteindre la maturité? Parce que dans la Bible, il y a un appel vers la maturité, n'est-ce pas? La Bible dit afin de ne pas rester comme des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, mais plutôt à chercher à croître vers la stature parfaite de Christ. Si nous ne grandissons pas en tant que serviteurs, en tant que ministres, comment nous pouvons aider les autres à grandir? N'est-ce pas? Ce ne sera pas possible parce que tu ne pourras pas amener quelqu'un là où tu n'as jamais été. Tu ne pourras pas aider quelqu'un à maturer. Je ne sais pas si c'est un mot. Ok. Maturer. Je suis à Paris, il faut que je fasse attention. Okay. Si ce n'est pas un mot, passez le mot pour l'instant. Alors, parce que si vous me corrigez, je serai blessé. Alors, donc, comment tu peux maturer et amener l'autre à maturer si toi-même tu ne matures pas?
Voilà pourquoi l'âme, quand elle est blessée, elle bloque la croissance spirituelle. La Bible va dire, je n'ai pas le temps. La Bible va dire ici, l'homme comment ? Qui ne reçoit pas les choses de Dieu. La Bible dit, l'homme spirituel juge de tout, mais l'autre homme, il est comment ? Naturel ou animal. L'homme naturel ou l'homme animal. N'est-ce pas ? Des fois, quand je lisais la Bible, je me demandais, c'est qui c'est cet homme animal ? Hein ? Alors, moi, je prenais ça littéralement. J'ai dit, l'homme animal, c'est une brute. Hein? C'est comme un homme, tu le regardes, il parle comme un animal. Il est comme un lion, il est comme un animal. Hein? C'est un animal. Il est féroce comme un animal. Il peut te manger comme un animal. Mais après, j'ai commencé à regarder les versets de près plein. Et je commence à regarder. Et c'est là que la Bible dit, l'homme spirituel, on dit l'homme pneumatikos. C'est-à-dire l'homme qui est conduit par l'esprit. Et l'homme animal ou l'homme naturel, c'est un homme psoukikos. D'où tu as le mot psouké, qui veut dire âme. C'est-à-dire que, en français, on avait manqué l'adjectif parce que corps, ça donne quoi l'adjectif ? Corporel ou physique. Esprit, ça donne quoi ? Et puis âme, ça donne quoi ? Âme quoi ? Vous avez dit qu'on est en France. Ok. Donnez-moi maintenant, oh non, la Rousse, l'Académie française, donnez-moi maintenant l'adjectif qui vient de âme. Âme quoi? Amal? Hein. Alors, puisqu'ils n'avaient pas d'adjectif correct, ils ont mis animal. Mais au fait, le terme là-bas, c'est l'homme conduit par l'âme. C'est-à-dire que si quelqu'un est conduit par l'âme, il ne reçoit pas les choses de Dieu. Il ne peut pas le recevoir. Voilà pourquoi tu ne peux pas bien servir si tu es blessé dans l'âme. Parce que l'âme ne veut pas recevoir les choses de Dieu. Parce que tu es psoukikos, conduit par l'âme. Quand tu vois un animal là-bas, oublie les chiens, les lions, oublie ça. C'est l'âme dont on parle. Mais la difficulté de traduire, parce qu'on n'a pas les mots en français. On n'a pas ça. Mais on a pris, en grec, tu vois le mot psyché, qui donne psychologie, psychiatrie et tout ce que tu veux. Donc, la Bible dit, l'homme conduit par l'âme ne reçoit pas les choses de Dieu. Alors, comment servir Dieu si je ne reçois pas les choses de Dieu? Comment faire un bon service pour Dieu quand je ne reçois pas les choses de Dieu? Donc, dès que tu es blessé, fâché, frustré, à cause de l'Église, à cause du Seigneur, à cause des autres, tu bloques le canal de réception. Ton service devient alors à mal de l'âme. Ton service devient psoukikos. Ça veut dire charnel, naturel et tout ça. Mais vraiment animal, hein? Parce que je ne vais pas trop prendre le mot charnel, sax, parce que ça peut vouloir dire autre chose. Des fois, charnel va aller avec l'âme, mais la chair, sax, ce n'est vraiment pas ça dont on parle. Psouk et sax, ce n'est pas la même chose. So, ton service devient conduit par l'émotion. Au fait, c'est ça ce qu'il veut dire. N'oublie pas l'âme, la pensée, la décision, les sentiments et les émotions. C'est-à-dire que quand je deviens blessé, je sers Dieu selon mes pensées, ma propre décision, mes émotions et sentiments. C'est-à-dire que si tu provoques mes émotions vont me commander. Et la qualité de mon service dépend maintenant de mes émotions. C'est comme ça que les gens se lèvent le matin en disant « Dieu m'a appelé pour servir, mais si je te déçois,
Le même Dieu commence à te parler maintenant au niveau de l'âme. Ne va pas, parce qu'ils vont penser que tu es faible. Ne va pas, parce qu'il va continuer à faire la même chose. Ne fais plus, sinon on ne te respectera pas. Aujourd'hui, quand tu vas aller à l'église, même Alléluia, tu ne réponds pas. De toute façon, il n'y a pas un verset qui dit qu'il faut dire aux gens Alléluia, puis que les gens voient dire Amen. Aujourd'hui, même s'ils acclament, si tu acclames, ils vont penser que la situation d'hier, tu as minimisé ça. Envoie-leur un message clair par ta manière de croiser les bras. Qui te parle? C'est l'âme qui te parle. Hein? Sur le chemin. À un moment donné, même, tu t'es dit, non, je suis quand même un enfant de Dieu, je peux quand même faire semblant d'acclamer. Et tu vois l'âme te dit, hein, quoi? Je t'ai dit, n'acclame pas. Ok. Parce que si tu acclames, ils vont penser que tu as minimisé la situation. C'est comme ça que tu as à l'église, des frères qui viennent, 2 mois, ils ne saluent personne. Tu penses qu'il ne sait pas? Il sait, mais l'âme lui a dit, c'est comme ça qu'ils vont te respecter. Et comme ça, ils rentrent. Aujourd'hui, Dieu va faire de grandes choses. Top des personnes, dis-leur, Dieu va agir. C'est écrit où? Moi, je suis un ami de la parole. Et le pasteur est là-bas, il te regarde. Et le pasteur aussi, blessé dans l'âme, il commence à être intimidé. Acclamons le Seigneur, tu n'acclames pas. Poussons des cris de joie, tu n'acclames pas. Ce n'est pas grave même si tu n'acclames pas. Dieu t'aime aussi. Quand tu es blessé dans l'âme, tu ne reçois plus de Dieu. N'est-ce pas? Tu ne reçois plus de Dieu. Tu es blessé. La Bible dit, l'homme animal ne reçoit pas de Dieu. Il ne reçoit pas. Oublie animal. C'est l'homme blessé dans son âme. L'âme te conduit. Même si Dieu parle, tu ne le feras pas. Tu ne fais pas parce que Dieu a parlé. Tu fais parce que tu as décidé de faire ce que tu as entendu. Les gens pensent que parce que Dieu a parlé, ils vont le faire. Est-ce que tu sais que Juda aussi avait entendu parler qu'après la résurrection, il y aura la Pentecôte? Est-ce que tu sais que Juda aussi était allé 2 années? Il a chassé des démons, Juda. Ben, toi, tu ne sais pas. Hein? Juda, là, il en a chassé. Il avait la promesse, il savait qu'à la Pentecôte, à peu près 50 jours après la Pâque, l'Esprit va descendre. Mais est-ce que tu sais qu'il n'était pas là? Parce que malgré ce qu'il savait, il n'a pas fait ce qu'il savait. Quand tu es blessé, tu ne fais pas ce que tu avais reçu de Dieu, mais tu fais ce que ton âme te force à faire. L'âme va te conduire et va te diriger. Et si tu comprends ça, tu comprends les 2 autres conséquences que je ne vais pas développer, mais la première est tellement importante pour nous, les serviteurs de Dieu. C'est la stabilité émotionnelle dans le ministère et la croissance. Tu ne peux pas servir Dieu en état instable émotionnellement. Voilà pourquoi tu dois être guéri de ces déceptions. Tu dois être guéri des choses qui se sont passées dans la famille qui t'ont beaucoup blessé. Tu dois être guéri des choses qui se sont passées chez le cousin et chez l'oncle. Ça t'a changé, ça t'a affecté. Tu dois être guéri des troubles et expériences que tu as connues dans d'autres églises. Tu dois être guéri des choses que tu as connues dans des relations et au travail, des injustices et tout ce que tu as vécu. Tu dois être guéri de ces choses-là, sinon tu ne seras pas stable dans le service. Et des petites choses vont te provoquer et te déstabiliser facilement. Les 2 autres signes qui montrent que ton âme est attaquée et qui sont liés au premier, c'est les troubles de comportement. Celui qui est blessé a des problèmes au niveau des comportements. La troisième chose qui est aussi très très importante, celui qui est blessé se détruit lui-même et détruit les autres.
Voilà pourquoi, si tu es responsable d'un département, si tu es dans un département, si tu as des problèmes, des blessures, tu vas te détruire et tu vas détruire les autres. Pourquoi les gens se suicident? C'est l'autodestruction. Détruire sa propre vie. Mais pourquoi aussi il y a des gens qui se suicident avec les autres? Il vient de recevoir une déception amoureuse. Il se tue, il tue la personne qu'il a abandonnée, il tue le nouveau partenaire de ces personnes-là. Tu vois la déception, les problèmes de l'âme. Si tu es blessé dans l'âme, tu vas détruire l'église. Tu vas détruire le département. C'est bien que si tu as un problème au niveau de l'âme, viens parler avec le pasteur, qu'on arrange les problèmes. Frère, tu vas détruire les cultes, tu vas détruire les départements. Tu vas détruire l'assemblée. Si on te donne le micro, tu vas parler à partir de l'âme. Tu vas enseigner à partir de l'âme. Tu vas chanter à partir de là. Les troubles de comportement, n'en parlons même pas. Ces trois signes-là vont montrer que l'âme est en train de subir une attaque. Quand je ne peux plus grandir spirituellement et que je ne reçois plus de la part de Dieu, parce que je suis tellement énervé, je suis tellement fâché. C'est là que tu es assis ici et je suis en train de parler, mais toi tu écoutes autre chose. Quand l'âme est blessée, tu soupçonnes tout ce que les gens disent. Et tout ce qu'ils disent, c'est contre toi qu'ils les disent. Tu sais, je peux changer de thème comme tu veux, c'est contre toi que je prêche. Et tu ne pourras plus. Imagine si c'est toi qui dois conduire l'adoration après et tu es convaincu que mon message est taillé sur mesure contre toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es fâché dans ton cœur, mais tu vas chanter quand même, n'est-ce pas? Soit tu détruis les cultes. Imagine que tu conduises l'intercession et tu es blessé par ma décision. J'ai fait une décision, j'ai pris une décision de changer les chefs de département. J'ai pris une décision de tourner les chaises vers là-bas au lieu d'aller vers là-bas. Et c'est toi qui diriges l'intercession. Quel genre d'intention tu vas commencer à donner? Quel genre d'intention? On est tous à l'église, n'est-ce pas? On est entre ouvriers, on peut se dire la vérité. Tu es fâché contre moi, mais tu conduis l'intercession. Je ne dis pas qu'il y a un problème d'intercession ici. Il ne faut pas dire qu'il est en train de prophétiser. Non, je ne suis pas en train de prophétiser. Alors, mais maintenant, les intentions seront quoi? Nous allons prier. Que Dieu ramène l'esprit de son serviteur. Le peuple de Dieu a besoin d'un serviteur qui écoute Dieu. Tu sais, parfois, les serviteurs de Dieu aussi sont des gens. Il peut avoir perdu déjà l'esprit depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous allons refuser que loin de Dieu. Tu vois, tu mets des choses bonnes, mais nous sommes fâchés loin du Seigneur. Ah! Le diable ne peut pas les toucher et puis nous sommes en train de regarder. Bien-aimé, réveillez-vous. Mais en même temps, tu envoies aussi le message qui n'a plus l'onction. Réveillons-nous. L'apôtre Douglas des années 1985, là, il faut que Dieu ramène le feu dans. Qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Parce que tu es blessé. Ces trois choses peuvent être des signaux indicateurs. Quand je suis blessé dans l'âme, je ne peux plus grandir. Pourquoi je ne grandis pas? Parce que la Bible dit... L'homme animal, n'ayez pas peur du mot animal, ça veut dire l'homme conduit par l'âme, c'est-à-dire quoi? L'homme conduit par ses émotions et ses propres sentiments, ses propres décisions et sa propre pensée. Cet homme-là ne peut pas recevoir
Or, s'il ne reçoit pas, il ne peut pas grandir. Donc, sa croissance est bloquée. Deuxièmement, celui qui est blessé dans l'âme, il a des problèmes au niveau de son comportement. Laissez-moi parler en termes clairs, au niveau de son caractère. Voilà pourquoi les gens disent qu'il a un caractère difficile. À lui, je ne peux pas m'asseoir avec lui. Lui, je ne peux pas travailler avec lui parce qu'il est difficile dans son comportement. Paul va dire à Timothée, ma douceur, tu ne peux pas servir Dieu sans douceur. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a dit, cache, que les gens ne sachent pas. Mais il a dit que ta douceur soit connue de tous. En matière de douceur, il n'y a pas d'humilité. Que les gens le sachent. Un serviteur de Dieu doit être doux et accueillant. Voilà pourquoi même s'il y a un problème, nous devons faire attention à notre manière de parler et de réagir. Il n'est pas bon que les gens nous regardent comme des serviteurs et quand il y a un problème, viens, laisse-moi. Laisse-moi, on n'est pas venu jouer. Moi, je sers Dieu. Je ne bloque pas. J'ai pris les trains et j'arrive ici. Il n'y a personne. C'est quoi cette affaire? C'est quelle église? Mais non, on est où là? Regarde les voisins, dis-lui doucement. Dis-lui avec douceur. Avec douceur. Tu n'as pas besoin de dire. C'est un jour, moi, je devais changer quelqu'un, le retirer de sa responsabilité dans son département. Je suis allé dans sa maison. On était assis dans son salon. Il m'a donné même une bouteille d'eau. J'étais encore en train de dire, ma soeur, merci beaucoup pour... Parce qu'on a dit douceur, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour les services que tu nous as rendus. À partir d'aujourd'hui... je crois devoir être dans l'obligation de considérer la possibilité immédiate de te dire que je suis venu avec l'intention ferme et claire, mais avec beaucoup de douceur pour t'annoncer la décision, de prendre la décision de te retirer de ses responsabilités. Si tu vois, la personne n'est pas tombée, pas fâchée. En partant, il m'a donné même la bouteille d'eau. Est-ce que pourquoi tu dois nous dire, frère, moi, je ne blague pas avec les gens. À partir d'aujourd'hui, tu as quitté. Quitté. J'ai dit quitter de quitter. Wow. Regarde les voisins, dis-lui douceur. Douceur avec les âmes. Alléluia. Parce que ça, c'est quelqu'un qui est blessé, son comportement devient difficile. N'est-ce pas difficile, même là où il ne fallait pas crier, nous crions, même là où il ne fallait pas se battre, nous nous battons. L'âme nous conduit et nous dirige. Et quand tu le fais, tu entends l'esprit te dire douceur. Tu entends l'esprit te dire parole et qui n'est pas parole appropriée. Tu attends tout ça, mais tu ne peux plus le faire. Tu ne peux plus le faire. Quand l'âme te saisit, tu ne peux pas. Quand l'âme t'est saisie, là les gens viennent nous voir, pasteur, je sais que tu vas me dire de pardonner, mais cette fois-ci, tu vas aussi me pardonner de ne pas t'écouter. Tu vas aussi me pardonner de ne pas t'écouter. Quand l'âme t'est saisie, frère, quand l'âme t'est saisie, c'est là où tu es marié avec la femme là. Elle ne t'a pas respecté, tu sens la blessure ici, hein? Tchou! Et puis tu regardes, et tu joues avec moi, tu joues avec moi, tu ne sais pas que je suis libre de sortir et d'aimer toutes les femmes que je vais croiser. Et là, l'Esprit te dit, les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais pendant ce moment-là, papa, tu ne l'écoutes pas. D'ailleurs, pour te prouver que malgré que je n'ai plus mes 20 ans, mais je suis encore longiligne, je peux, avant de rentrer ce soir, je te donnerai même son nom. Je pars à la chasse. L'âme a fait dire au prédicateur, quelle Bible? L'âme, les gens nous ont rappelé, même moi, quand je suis blessé, tu vas me rappeler, oh, tu étais venu là-bas, chemin vers la lune. Je dis, quel chemin? Quand je suis blessé, je lui dis, quel chemin? Chemin de vers où? La liberté, c'est ça la liberté dont on a parlé. Quand je suis blessé,
quand je suis blessé, je vais oublier le titre de mon livre. Quel livre? Moi, j'étais venu chez vous et j'avais des livres. Allez demander à votre apôtre là, frère. Et, ou bien je vais te dire, ah, je vois, comme j'ai écrit Chemin vers la liberté, donc tu vas en profiter pour jouer avec moi, frère. Je vais te placer à ta place avec ta liberté de liberté là-bas. Et, quand tu es blessé, frère, tu vas oublier même ce que tu as dit. Quand tu es blessé, tu vas oublier que le premier jour quand tu es arrivé à l'église, tu étais au bureau. Pasteur, je dormais chez moi. Je ne vous connais pas, pasteur. Hein? Et l'esprit m'a dit, Sep, c'est là où j'étais planté. Je voyais comme un arbre, hein? Et puis on voulait déraciner, mais ça ne déracinait pas. Et tout ça, là. Et c'est resté là. On a amené même des scies. Et quand on coupait, au lieu que l'arbre soit coupé, c'est la scie qui s'est coupée. Donc, et j'ai interprété la vision et je crois que Dieu m'a planté ici. Le premier dimanche, tu arrives une heure avant le culte. Et frère, c'est très tôt. Non, papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, les âmes de Évry, je les arrache. Ceux qui viennent de Saint-Denis, je les arrache. Ceux qui viennent de noyer les renards, je les arrache. Ceux qui viennent de noyer les chiens, je les arrache. Ceux qui viennent de noyer les léopards, je les arrache. Ceux qui viennent de Boussy-Saint-Antoine, je les arrache. De Boussy-Saint-Marc, je les arrache. Des portes de la Villette, des portes de Panthéon, des portes de choses, des portes de France, des portes de Marseille, je les arrache. Après 2 mois, frère, tu as trop servi dans ce département là-bas, va dans l'autre département. Dimanche, le frère n'est pas là. Oh frère, tu n'es pas là? Non, pasteur, je ne suis pas là. On sait que tu n'es pas là. Dis au moins pourquoi. Frère, on ne t'a pas vu. Oui, papa, vous ne m'avez pas vu. Frère, il dit non. Dieu m'avait dit de le chercher. C'est pour ça que j'avais un programme qu'on m'avait donné. Parce que le jour où j'étais parlé, pasteur, bon, le Seigneur ne m'avait pas permis. En fait, moi, j'ai un prophète hein, au Guatemala. Quand je venais là-bas, j'avais parlé avec lui. Il m'a dit que c'était la volonté de Dieu. Maintenant, hier, il m'a dit aussi, maintenant, mon mandat est terminé. Et donc, c'est parce que tu es blessé. Dieu n'a pas encore parlé. L'âme te parle. Trouble de comportement. Destruction de soi et des autres. Quand quelqu'un est blessé, il se détruit lui-même. Il mange sans arrêt. On prépare à la maison, il ne veut pas manger. Il ne comprend pas qu'il s'est détruit. La nuit, il ne dort pas. Il est tellement en rage qu'il ne veut pas dormir. Oh, si tu ne dors pas, c'est un problème avec ton corps à toi, pas avec le corps de celui qui t'a déçu. Tu fais, quand tu fais des nuits blanches dans ta maison, c'est lui qui t'avait insulté là. Ah! En plus, il rêve qu'il est en train de t'insulter. Est-ce que tu sais que ceux qui nous blessent oublient? Le frère de Joseph n'avait pas reconnu Joseph, hein? Joseph est là, ils lui vendent la nourriture, mais Joseph les a reconnus. C'est lui qui t'a blessé, il a oublié. Il cherche la prochaine personne à blesser. Toi, tu es resté là-bas enragé. Et ils sont avec Joseph, malgré ses années. C'est le premier ministre du pays qui nous a accueillis. Joseph regarde, il dit, ça, ce sont mes frères. Mais béni soit Dieu, parce qu'après la Bible dit, Joseph leur a dit, Dieu m'a fait oublier la peine. Même si tu n'oublies pas les personnes, mais que Dieu te fasse oublier la peine. Nous allons nous tenir debout. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Ici, comme c'est la maison, je ne suis pas stressé de terminer tout l'enseignement aujourd'hui.
pourra revenir partager encore. Reboshke rebere sakaya bashinde. Oh my God. Dieu veut amener notre qualité de service plus haut. Mais il ne pourra pas le faire si nous restons blessés. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je considère que j'ai souvent été blessé et ça a bloqué mon service. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je considère que j'ai souvent été choqué et ça a diminué la qualité de beaucoup de choses. Mais ce soir, puisque nous n'avons plus le temps, nous voulons seulement dire au Seigneur, en tant que tes ouvriers, tu dois nous guérir dans l'intérêt de ton peuple, dans l'intérêt de ton œuvre et en conformité avec ta parole. La Bible dit Jésus est venu guérir le cœur brisé. Mais ce cœur brisé, c'est d'abord le cœur de ses ouvriers et de ses serviteurs. Puisque nous sommes dans une réunion des ouvriers, on n'a même pas besoin de beaucoup te pousser. Tu es serviteur toi-même. Tu peux être le prophète de ta propre vie. Voilà pourquoi tu lèves la voix et tu commences à lui dire, mais voici Seigneur, comme un vase pour que tu me rendes utile dans ta maison. Lève ta voix, commence à le bénir, à l'adorer. Commence à bénir Dieu, à l'adorer. Commence à lui dire merci Seigneur. Commence à lui dire merci Jésus. Commence à lui dire merci Yahweh. Lève ta voix et béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Il est le réparateur de brèches. Jésus est venu recevoir des blessures pour me donner la guérison. Jésus est venu faire le transfert à la croix. Et ce soir, il n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Ce soir, il n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les déceptions, quelles que soient les blessures, quel que soit ce qui t'a touché, quel que soit ce qui t'a fragilisé, ce soir, la guérison est ici. La guérison est là. En Christ, il y a la guérison pour les ouvriers. Pour les ouvriers, nous aussi, nous avons besoin de guérison. Nous aussi, nous avons besoin de guérison. La Bible dit, il aura la guérison sous ses ailes. La Bible dit, il a été meurtri pour que je ne sois plus guéri. Je ne sois plus blessé. Il peut tirer mon âme de sa prison. Je veux le servir librement. Je vais le servir guéri. Dieu ne peut pas m'utiliser blessé. Il ne veut pas m'utiliser blessé. Il va me guérir d'abord. Nous sommes plus utiles quand nous sommes guéris. Nous sommes plus utiles quand nous sommes guéris. Quand Jonas était blessé, il ne pouvait pas aller aider les gens de Ninive. Quand Jonas était blessé, il ne pouvait pas aller aider les gens de Ninive. Jonas a fui son appel. Jonas a fui le ministère. Jonas a abandonné le peuple de Dieu parce qu'il était blessé. Si nous sommes blessés, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Avant de l'envoyer à Ninive, Dieu a commencé par le guérir. Dieu a commencé par travailler son cœur. Dieu lui a dit, Jonas, tu t'inquiètes pour les arbres et tu ne comprends pas que je m'inquiète pour les hommes que j'ai créés à mon image. Tu sais, la blessure retarde la mission, la blessure retarde l'appel, la blessure retarde la mission. Bien-aimé, la blessure retarde la mission, la blessure retarde la mission. Il y a quelqu'un qui commence à dire, guéris mon âme, guéris mon âme, guéris mon âme, guéris mon âme, guéris mon âme. Peut-être que tu n'étais pas blessé à l'église, tu étais blessé dans la famille, peut-être que tu étais blessé dans la jeunesse, mais ça bloque le ministère, ça bloque les services. Que Dieu te guérisse, que Dieu te guérisse, que Dieu te guérisse, que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Tu as une mission à accomplir, ma soeur. Tu as une mission à accomplir, mon frère. Que Dieu nous guérisse. Que Dieu nous guérisse. Parce que si nous ne sommes pas guéris, nous n'irons jamais à Ninive.
Si nous ne sommes pas guéris, nous retarderons la délivrance des gens de Ninive. Jonas n'est pas allé tout de suite. Combien de gens étaient morts avant son arrivée? Combien de gens pouvaient se repentir? Si Jonas était allé le premier jour, peut-être il y a un couple qui allait être sauvé. Si Jonas était allé le premier jour, peut-être il y a des jeunes qui allaient sortir de la drogue. Si Jonas était allé dès le premier jour, peut-être un mariage allait être sauvé. Si Jonas était allé le premier jour, peut-être il y a des évangélistes qui allaient se convertir. Bien aimé, quand nous sommes blessés, Dieu retarde notre mission. Il retarde notre mission parce qu'il veut nous guérir d'abord. Mais ce soir, que le Seigneur nous guérisse. Que le Seigneur nous guérisse. Que le Seigneur nous guérisse. Que nous puissions grandir et être stables émotionnellement. Qu'il puisse nous guérir des troubles de nos comportements. Et que nous ne puissions pas nous détruire nous-mêmes. Détruire notre appel, détruire notre église et surtout détruire la vie des autres. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'hommes et de femmes et de jeunes. Bien-aimés, nous ne pouvons pas prendre les risques de ne pas bien servir. Les foyers des autres, les mariages des autres, la vie des autres, l'appel des autres. Le Dieu de la Bible aime travailler avec les hommes. Il veut travailler avec toi et moi. Mais nous devons être guéris. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. À l'heure des tresses, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Merci de tirer nos âmes, Seigneur, de la fosse. Merci de nous donner des résolutions, Seigneur, de suivre des bonnes résolutions et la constance. Merci de nous délivrer de l'instabilité émotionnelle. Merci de nous délivrer du trouble de comportement. Merci de nous aider à ne pas nous détruire nous-mêmes, encore moins détruire les autres. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.